Alors, juste derrière les arbres, cette fameuse tour Lu. Donc, les petits gâteaux dentaires, hein. Là, il reste plus que ça. Avant, il y avait toute l'usine, c'était ici, et il reste plus le Lu. Il reste plus que le truc Lu là. Voilà, tu l'as là ? Ouais. Yes. Et la tour. Et la tour Lu qui est là. Et puis l'autre partie de l'usine qui est là, juste à gauche. Et là, ça, c'est d'origine, ça. Lu, le petit beurre. Voilà. Le voyage à Nantes, c'est pas d'origine. Ouais. Voilà, puis la cathédrale, et puis on va passer devant le château. Donc si vous arrivez en train, la gare, elle est juste à droite, là-bas. Voilà, elle est là. Et elle est en train d'être refaite. Ouais. Voilà, la gare, la cathédrale ici. La cathédrale. Et le château. Et le château. Voilà, qu'on a vu dans la visite numéro 1 de la ville de Nantes. Donc château des Ducs de Bretagne. Autrement appelé le château de Nantes, tout simplement. Ouais. Là, le miroir d'eau, un peu comme à Bordeaux. Excellent. Donc là, on roule sur du sable, sur les vestiges de la Loire. Voilà, voilà. Et puis, on se dirige vers la place du commerce aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va aller voir la place du commerce, la place royale et le quartier Gralin, passage Pommeret, tous ces trucs-là. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Voilà, vue de près. C'est vrai, on se demande comment ça tient. Hein. Donc ils sont posés sur des piliers de bois, qu'est-ce que tu dis ? Je sais pas si on se rend trop compte à la caméra qu'ils sont vraiment très penchés. Ah ouais ? Bah ils sont... Si, regarde, si tu zoomes sur la porte, on le voit bien. Ah oui, si on zoome sur la porte, on voit qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Oh, le peuple. Tout Nantes est dans Nantes. J'ai l'impression. Ouais. Bon, voilà, c'est juste de la folie, il y a trop de monde. Là, on est place du commerce. Et on bouge place royale. Place royale, c'est juste là. Donc pour manger des bons sandwichs, il faut aller dans cette petite rue là. Il y a une sandwicherie qui est terrible. Je sais pas si on va y aller parce que là il faut surveiller les petites parce qu'il y a trop de monde. Donc voilà, si vous voulez venir manger une petite frite plutôt que les grandes usines, voilà, il faut venir ici quoi, chez Macassia. Et puis juste derrière, il y a le Café de la Perle. Chez Laurent, voilà, c'est ici qu'il faut venir. Là, allez-y. Allez, je coupe. Bon, c'est de la folie, il y a trop de monde. Alors, ça va ? Petite visite de Nantes ? Ça va ? Ça va ? Il y a trop de monde. Et puis, je reviendrai pour filmer la place royale. On peut voir la statue, là. Donc, en fait, place royale, il y a une fontaine. Et la fontaine représente tous les affluents de la Loire. Et c'est très joli à voir, sauf que là, moi je pensais pas qu'il allait y avoir tant de monde. C'est de la folie, quoi. Et puis là, c'est l'église Saint-Nicolas. Bon, pas de bol, c'est fermé. Bon, le passage pour moi est fermé, donc là, on va arriver rue Crébillon. On passe par une petite rue qui est assez sympathique. Il y a une autre entrée du passage Pommeret qu'on va voir. Faudra que je revienne vous montrer. Parce que le passage Pommeret, c'est quand même un lieu mythique à Nantes. Hein. Voilà, il y a plein de petites boutiques. C'est assez vieux, en fait. Voilà, il y a même des appartements. Là, il n'y a pas d'appartement ici, mais il y a des appartements en haut. Enfin, c'est superbe, quoi. Il y a des statues. Allez, je fais un petit zoom. Voilà, on peut voir les statues et tout, c'est cool. Enfin, le passage Pommeret, un lieu emblématique de Nantes. Et voilà,
travail. L'Anatole. Je crois qu'on a affaire à un bon. Bravo. Merci. Et voilà, donc nous voilà rue Crébillon. Merci à vous et bonne soirée. Ouais, merci, c'est comment ton prénom? Patrick. Patrick. Patrick comment? Ah bah... Ah, Patrick, ok. Patrick, de l'accordéoniste de la rue. Ah d'accord, ok. Je super. Suis le jazzman un peu là, j'entends les... Ouais. Je sais. Et voilà, donc là, nous voilà Place Gralin, avec le Théâtre Gralin, qui est là. Et il y a un espèce de grand manège. Un manège énorme. Voilà, Place Gralin, avec le magasin de Pascal, le magasin de tapis, Pascal Le. Hein. Pascal, c'est une copine. Donc ici, hop, la cigale, pour venir... Bon, un coup, c'est ici. J'espère que ça va faire le focus. On essaye. Enfin, voilà, c'est là. Voilà. Donc là... Alors... Elle veut faire le grand sapin qui tourne. Alors, ah je bon sais pas comment on fait, si c'est payant. Et le théâtre Gralin. Le grand sapin qui tourne. Donc c'est quoi? C'est un manège? Ah oui, mais peut-être prendre de la monnaie. Attends, tu peux prendre Clémence, on va aller se renseigner. Bon, alors je coupe et puis on va aller retirer des sous. Voilà, ici, il y a la rue Corneille, avec le cinéma, le 14A, comme on peut le voir. Là, on part vers le musée d'Aubry. Ici, il y a le cours Cambronne. On va peut-être aller le voir. Qu'est-ce qui se passe, Clémence? Qu'est-ce qui se passe? Non. Non quoi? T'es fatigué? Voilà. Pour la petite histoire. Oh, oh. Coucou. Voilà, bah, je vous en parlais tout à l'heure, ici on est à La Perle. Donc La Perle, ici, il faut venir boire un coup ici, absolument. Il y a Laurent qui est là, ici. On est supporters du FC Nantes. Voilà, La Perle, il y a un escalier, il y a pas mal d'étudiants qui sont là. Voilà, voilà, quoi. Bon, bah, salut Laurent. Allez, à bise, ciao, ciao. Kenavo.